le 7-9 sur France Inter. Charline Vanhoenacker, après le schisme à Europe Écologie Les Verts, le futur se dessine chez ceux qui ont claqué la porte du parti. Oui, permettez-moi de résumer la situation pour ceux qui n'auraient pas suivi. Les écologistes qui ont quitté les écologistes cherchent à regrouper tous les écologistes au sein d'un grand parti. Un parti écologiste. Bah non, centriste. Jean-Vincent Placé voulait former un nouveau mouvement centriste. Comme ça, maintenant, on a deux centres. Hier, les participants se sont réunis au Sénat autour de Jean-Vincent Placé et de François de Rugy. Il y avait notamment Christophe Madrolle, François-Michel Lambert, Monique Ranoux, Christiane Dumont, la fameuse Christiane Dumont qu'on avait perdu de vue. Je me souviens, Patrick, la semaine dernière, vous avez demandé à Thomas « Tiens, t'aurais des nouvelles de Christiane Dumont ?» Je pensais l'inviter à 8h20 parce que j'essayais de joindre Christophe Madrolle, mais bon, on l'a déjà entendu partout. Donc bon, non, j'ai son voilà. 06. C'est une bonne idée de leur donner la parole parce qu'hier, ils ont lancé une nouvelle formation politique, l'Union des démocrates et écologistes, l'UDE, qui est le pendant de gauche de l'UDI. Et ça, c'est une excellente idée pour mettre toutes les chances de son côté de faire comme l'UDI. Alors maintenant, ils travaillent sur le nouveau logo, donc tout devrait être prêt pour les régionales de 2027. Alors, vous connaissez ce fameux proverbe qui dit « Si deux écologistes tombent dans un trou, quel est leur premier réflexe pour s'en sortir ? Décider lequel des deux est le chef. Voilà. » Alors l'UDE, c'est déjà un grand pas de franchi, parce que je rappelle que tout au long de leur histoire, le grand problème des Verts, ça a été de trouver un nom. C'est sûr que les Verts, c'est compliqué. Ensuite, il va falloir trouver un local pas trop grand, parce que Jean-Vincent Placé, il sera très peu présent. Il vit actuellement dans le campement qu'il a installé devant Matignon. Il a acheté tout l'espace publicitaire du quartier pour apposer la couverture de son livre intitulé « Pourquoi pas moi ?». Il n'a pas encore réussi à parler à Manuel Valls parce qu'à force d'insistance, Placé a été pris pour un témoin de Jéhovah. Bon, alors l'UDE, c'est le regroupement d'ex-écologie Les Verts, ex-Modem, Front Démocrate. Bref, l'UDE, c'est un assemblage de plein de chapelles. C'est comme au Club Med. Il faut juste que chacun trouve son bagalo comme Jean-Vincent, quoi. Hey, est-ce qu'il y a une case où on trouve les valises perdues? Ouais, c'est la case Morillon. Mais tira de main, c'est fermé à ce temps-là, c'est fermé, vieux. J'ai mon pyjama dedans. Charline Vanhoenacker.